Bonjour à tous, c'est l'OSH. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Adventure of Link. Nous venons d'arriver à la ville de Saria, rappelez-vous la dernière fois. La ville d'eau de Saria, comme ils l'appellent. Alors, nous allons visiter ce nouveau village, et normalement, je dis ville ou village, peu importe. Appelez-le comme vous voulez. On va notamment chercher un nouveau pouvoir. Alors, les yeux de Ganon sont partout autour de nous. Sois prudent. Ouais. Alors j'ai déjà fait ce village dans ma précédente partie, je vais essayer de me rappeler des dialogues. Ah merde, sinon je vous ferai une traduction. Oh putain. Attends, t'en vas pas toi. Mais je vais mourir dans un village, t'es sérieux là? On va essayer de le buter, j'aimerais bien. Il va revenir. Non, il revient pas. Il revient? Ouais, il revient. Non mais t'es sérieux là? Putain. Oh, c'est la meilleure, on se fait buter dans les villages. Bonjour, jeune compagnon. Je crois que c'est ça. T'as elle aussi. Ah, il est maudit ce village. Ça y est, je m'en rappelle. Alors. J'ai perdu mon miroir. Oui, il faut te rapporter ton miroir. Je crois que c'est elle qui va nous donner le pouvoir. Alors, on va finir de fouiller la ville. D'abord, t'en vas pas toi. J'ai pas parlé à tout le monde. Non, la mamie, la petite jeune. Bon, c'est pas grave. Faudrait que je me soigne, là, ce serait con de mourir maintenant, j'ai encore une vie, j'ai pas envie de la perdre. Voilà, et j'ai trouvé un miroir sous la table, rien de plus facile, fallait pas chercher bien loin. Ok, bah on retourne la voir parce que je crois que je vais avoir un pouvoir. Alors la question que je me pose, bah on va vérifier ça, c'est quand on nous donne un pouvoir, est-ce qu'on nous régène notre vie, notre magie? Eh, je sais plus. Oh, tu as trouvé mon miroir. J'ai pas lu le texte. Bon, suis-moi. Non, non. Voilà. Ça, c'est le problème. C'est quand vous êtes pas assez rapide. Voilà ce qui arrive. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas été assez rapide. Je vais devoir lui reparler. Bon, on va revoir le texte. Du coup. Allez, tu as trouvé mon miroir. Suis-moi, tout simplement. Et c'est parti. Alors, est-ce que tu caches quelque chose sous ta table? Non, pas cette fois. Ah, vous le savez, j'adore ces souterrains. Vous commencez à le savoir. J'adore ces souterrains. Utilise cette magie pour restaurer ta vie. Oui, 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 c'est pour ça, voilà, que c'était utile de venir ici. Et voilà, parce qu'avec ce pouvoir, on va pouvoir aller dans le second palais de façon tellement plus aisée. Et je vais vous raconter quelque chose pour ceux qui n'ont pas suivi ma première aventure. J'avais pas fait la ville de Saria et je suis allé direct au donjon. Autant vous dire que sans... Regardez, on va l'utiliser. J'ai 3 barres de magie, ça va passer ou pas? Ça passe ou pas? Comment on l'utilise? Eh non, 3 barres de magie, c'est pas assez. Il faut 3 et je crois qu'il faut un tout petit peu plus. Eh non, ça marche pas, dommage. Enfin, en tout cas, dans les palais, ça va grandement nous aider, ce pouvoir. Vous allez voir. Alors, on va continuer parce que j'ai toujours pas vu la personne qui me soigne. Le miroir. Là, c'était le miroir. Toi, tu vas te changer en chauve-souris ou pas? Alors, à Midoro. Je crois qu'elle veut parler de la ville de Mido. C'est mal traduit, mais je crois que c'est Mido. Non? À Midoro Swamp. Alors, nage pour trouver un bracelet pratique. C'est comme ça que je l'avais traduit la dernière fois. J'avais pas trop compris, mais bon, c'est pour trouver un bracelet. À moins que ce soit le palais Midoro, c'est peut-être le palais, le nom du prochain palais, ou du palais d'après, je sais plus. Stop et reste ici. Attends. Toi? Non. Non, tu m'as fermé ta porte. C'est pas cool, ça. Attention à pas mourir, bêtement. Allez, vas-y, remets ma magie.
Alors regardez, est-ce qu'on peut lui parler deux fois à la Mamie? Une première fois, elle va me remettre ma magie. Je peux te donner ta magie. Maintenant, on va utiliser Life, regardez. Et voilà. Ah ouais, 3 barres et 3 quarts. Hein. Bon, après, c'est parce qu'il faut monter le niveau de magie aussi. On n'est que magie niveau 3 pour l'instant. Et là, si je lui reparle, elle me la remet. Ok, cool. Alors lui, j'ai jamais compris. C'est ça, quelqu'un qui dort. Mais je n'ai pas de souvenir de savoir comment il faut faire. Pour moi, c'est un PNJ inutile. Toi, tu vas te changer en chauve-souris. Non? Ah non, c'est pas toi. Ah, toi, ma copine. Please, let me help you. Je peux restaurer ta vie. Ouais. Merci. Ok. Alors là, à mon avis, si on tombe, on meurt, hein. Bon, j'ai jamais essayé, j'ai pas envie d'essayer. Je pense qu'on meurt direct. Alors voilà, lui c'est Riverman, je crois. Donc il fallait rencontrer Bagu avant de lui parler. C'est l'homme qui était caché dans la forêt. Donc on lui parle. Tu connais Bagu? Ok, alors je peux t'aider à traverser. Voilà, merci Riverman. Oh, t'as vraiment un nom bizarre. C'est l'homme rivière. Je connaissais pas. Par contre, je connais la femme fontaine. Je ne sais pas Riverman, mais je connais la femme fontaine par contre. Elle est pas mal. Elle est pas mal. On se casse, on se casse. Et j'arrive pas à voir. Est-ce que l'écran, il n'est pas un peu... On va faire une petite ellipse, je vais nettoyer l'écran. Et hop, ni vu ni connu, j'ai passé un petit coup sur l'écran. Alors, on traverse ici. Non. Non. Oui, alors, oui, d'accord, oui et non. Disons qu'en fait, ça va me mener à la suite. La suite qui va me mener au village de Mido. Moi, j'ai envie d'aller faire le palais des marées. Alors, écoutez, on va retraverser la ville. Pour le coup, voilà, cet endroit, ça servait à rien. C'était juste pour... Allez, il faut lui reparler. C'était uniquement pour avoir le pouvoir dans cette ville. Mais pour l'instant, non, j'ai pas envie de continuer parce qu'après c'est long, il y a beaucoup de choses à faire et j'ai vraiment envie de faire le palais. Dès qu'on peut faire les palais, en fait, j'ai envie de les faire. Voilà. Là, on peut faire le prochain palais, j'ai envie d'y aller, j'adore les palais. Alors, normalement, je crois que dans l'histoire, le scénario, il faudrait d'abord continuer, aller au village de Mido, revenir au palais. Je crois que c'est ce qui est marqué dans la Solus, il me semble. Je vais vous dire, on fait à l'instinct. Hein. C'est la liberté aussi, ce jeu, c'est que tu peux faire un peu comme tu veux par moment. Pas tout le temps, c'est sûr, c'est limité, mais par moment, tu peux faire comme tu veux. Là, en l'occurrence, je fais ce que je veux. Avec mes cheveux. Alors, on va traverser là. Et je crois qu'on a des bulles. Ah non, on a lui, c'est vrai. Bon, il n'est pas bien méchant. Si, il faut faire attention quand même. Laissez-moi traverser avant de me tuer. Je veux pas que vous me tuiez en fait. C'est bon? Voilà, donc là il y avait le mec. Alors, oui, je vous montre au sud. Vous voyez, il y a un petit pont. Ah bah d'ailleurs, j'ai pas été. On le fait ou pas? On va le faire. Je veux voir ce qu'il y a ici en fait. On va se protéger. Bon, ça va, c'est juste eux, ils sont pas bien méchants. Il y a les bulles. Donc je rappelle évidemment niveau DP8. Hein. Pour l'instant, tous les ennemis, on les a butés en un coup. Touché. Touché. Ouais. Alors, je suis désolé, j'ai fait une ellipse. Et je pensais vous retrouver juste après ce combat qui s'est engagé. Et je viens de battre un monstre. Et apparemment, je monte de niveau. Donc, j'allais pas vous louper ça. Ben, on va monter la vie, à moins qu'on attende la magie. Non, on va monter la vie, allez. Voilà, une meilleure résistance. C'est cool. Voilà, donc, il n'y avait rien d'intéressant ici. Là, il doit y avoir quelque chose. Une fée, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Bon, on va traverser. Alors là, il y a les marées. Regardez, là, il faut le marteau. Encore une fois, on avait déjà vu ce genre de rocher auparavant. On va continuer.
Là, pareil, marteau, marteau. Donc là, c'est la ville de départ. J'ai pas besoin d'une fée. En revanche, il y a une grotte là. On va y aller. Je me rappelle plus ce qu'on a, mais, je me dis que c'est un pouvoir. De mémoire, je pense à un pouvoir. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un pouvoir ici? Oh, la terreur. Oh. La terreur de jadis. La terreur du temps jadis. On a quoi ici? Un sac d'expérience. On le prend? Un 200? Un petit 200. Je regarde toujours s'il n'y a pas des passages dans les murs. Je sais pas. Je me dis peut-être un passage secret. Bon ben voilà, c'était juste un sac d'expérience, ouais. Bon, c'est toujours de l'expérience de prix. Pourquoi pas? Évidemment, il faut pas que je tombe en game over. Sinon je perds ce sac, il aura été inutile. Alors, oh intéressant. On va se remettre la vie. Regardez, faites comme moi, vous avez la vie, faites toujours comme ça, vous utilisez la vie et vous prenez ensuite la magie qui vous remet toute la barre. Voilà, faites dans cet ordre. Bon, là, il n'y a rien, je crois qu'il n'y a rien. Alors, les marées, c'est dangereux. Je le rappelle, essayez d'aller à droite. Là, j'ai pris à gauche, j'aurais pas dû. Voilà, à chaque fois, je me fais toucher, à chaque fois. À chaque fois. On va aller à droite, hein, d'accord? Alors, ce qui me flairait d'apprendre, c'est une nouvelle attaque. Et peut-être que d'aller à la ville de Mido, ouais, j'aurais pris une nouvelle attaque. Ouais. Je sais plus, il me semble. C'est pas grave, écoutez. C'est pas grave. J'ai quand même niveau 8. Hein. Dans ma précédente partie, j'attaquais le second palais. J'étais pas aussi, aussi bien élevé. Bah, regardez, on est arrivé. Parfait. Hop là, esquive. Je voudrais voir le gros monstre. Qu'est-ce qu'il me donne? Je vois un peu c'est quoi ça. Alors on va se mettre le shield. Je voudrais voir un peu ce que c'est. Ah les oiseaux. Les piaf. Les piaf. Ils rapportent deux. Deux à chaque fois. Ah ouais, mais non, je vais pas les attendre. Ah non, je vais pas les attendre. Bon, ok, ça sert à rien. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Nous voici à l'entrée du second palais, les amis. Regardez, je vous montre quelque chose. Hop là, c'est bon ça. On se remet la vie. On se remet la vie. Ah, j'ai pas assez de magie. D'accord. Tu veux jouer à ça? Eh ben, on se remet la vie. Et on va en reprendre une autre. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un soldat rouge? Ouais. Parce que des fois c'est un soldat rouge, des fois c'est une fiole, il me semble. Allez, j'essaie une dernière fois, juste une dernière. Ah ben non, il n'y a pas de soldat, c'est pas grave. Voilà les amis, j'espère que la qualité ira bien pour cet épisode. Je suis content, on est enfin au deuxième palais. Et j'ai un niveau 8, donc je vais me régaler. Je vais me régaler avec tous les nouveaux adversaires à les buter. Je vais me régaler. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais pas faire de petite sauvegarde, non. Je vais mettre la console en veille. Voilà, tout simplement. Jusqu'à la prochaine fois. Si je fais save, je rappelle, je crois que ça me remet mes points à zéro. Donc là, j'ai 306 sur 700. Je voudrais pas les perdre. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. J'ai vu qu'il y avait des j'aime sur les premiers épisodes. Je vous en remercie. Je suis content que ça plaise et puis ça permettra au moins de faire découvrir la série à un maximum de personnes, je l'espère. D'autant que c'est du Zelda Game & Watch. Voilà, donc c'est une exclusivité l'OSH Retro Gaming. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre présence. À bientôt. Ciao.